Ok, bienvenue. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un air dans une rampe. Un air, c'est quoi? C'est sortir du coping. Un coping, c'est quoi? C'est la barre de fer qui est en haut de la rampe. Une rampe, c'est quoi? Une rampe, c'est ça. Bon, bref, on va voir ça. Alors, le premier truc à savoir, pour faire un air, il faut savoir bunny hopper. Vous pouvez la voir là, là. Montage vidéo de ouf. Ce qu'on va faire, première étape, ça va être de faire des ronds dans la rampe. Je vous en fais. On va faire des ronds comme ça dans la rampe. Alors, on va faire des ronds dans la rampe en essayant. On monte en appuyant sur le vélo, on se tend et en redescendant, on replie. Ça fait plier, tendu, plier. Ça va vous donner de la vitesse. Une fois qu'on a fait ça, on essaye de faire ça. On fait toujours les mêmes ronds, mais en même temps, on essaye de sauter un peu. On essaye de sauter un petit peu. Comme ça. Et petit à petit, une fois qu'on a compris ça, là, je fais un virage assez large qui part à peu près de là et qui retombe de là. Donc, ça me fait sauter assez de haut, à peu près. Si vous voulez vraiment monter et aller haut, il va falloir que vous refermiez le virage. Votre virage va faire ça. Et petit à petit, vous allez arriver droit et sortir un peu plus haut et retomber dans la rampe. Je vous montre. Question de vitesse et d'expérience. Vous n'allez pas pouvoir sortir en air à 2 mètres directement. Il va falloir y aller étape par étape, petit à petit, pour vous habituer. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il y en a d'autres par là. Ça, c'est pour s'abonner. Bonne journée. Yeah.